Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série sur Foundation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chef-d'œuvre du jardin luxuriant. Visite d'un ménestrel dans une de vos tavernes a inspiré certains de vos villageois. Il souhaite construire un chef-d'œuvre de jardin luxuriant afin d'honorer cette occasion. Effet bonus optionnel, l'effet splendeur du bâtiment est augmenté de 300%. Conditions de construction entourées de forêts. Ah! Très bien. Alors, c'est là-dedans, je crois. Jardin luxuriante. En tant que bâtiment. En étant un monument existant. Entouré de forêts, genre ici. Là, je suis en train de découper les forêts. Alors si j'achète ici et que je le fais là, ça peut le faire. Surtout que j'ai plein de thunes. Ça n'a pas l'air de me créer de l'attrait, puisqu'il n'y a pas le rond vert. On verra peut-être. Ça me permet. Si ça pouvait me créer de l'attrait ici, ça me permettrait d'augmenter mes résidences ici. Alors. Ouais. Coût initial aucun. Blablabla, un bassin. Bassin d'eau. Fontaine. Un bassin d'eau. Ok. Oui, donc c'est juste un jardin en fait. Entouré de forêts. Ah oui, il faut vraiment le faire au milieu de la forêt quoi. Ah oui, d'accord. Effectivement. Effectivement. Ok, là ils sont en train de replanter la forêt, donc ça devrait m'améliorer mes cabanes de chasse. Effectivement, il faut vraiment que ce soit au milieu de la forêt. Et là, ça ne suffit pas. Nope. Sinon, je le fais par là. Ça fait un peu loin de ma ville, mais ça me créerait de l'attrait. J'en ai pas besoin là-bas de l'attrait. Comment on est dans les zones là? Ah ouais, j'ai tout machiné déjà. Bon. C'est embêtant. J'avais pas prévu de le faire par là-bas, moi. J'avais pas prévu de faire quoi que ce soit par là-bas. Tant pis, on va le faire là. Ça manque un peu de forêt là quand même. Quitte à ce que ce soit loin, autant que ce soit par là, parce que surtout que je vais venir après par là. Ouais, allez. On va le faire par ici. Alors. 99, voilà. Un jardin luxuriant. Mais là on voit rien du tout quoi ce qu'on va faire. Pilier. Clôture en espalier. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors, ah oui, par contre, si je le construis avec un bâtiment, ça boostait de 300%. Splendeur du bâtiment, ouais, j'en ai pas besoin. On s'en bat les couilles. Hein? Ouais, d'accord. Alors, le truc, c'est que là, je vois rien ce que je fais du coup. Quelle horreur. Ok. Donc là, si je mets un petit banc, genre là. Côté de la fontaine, un autre petit banc de l'autre côté de la fontaine. Allez, clac. Un petit arbre, mais je suis au milieu de la forêt, ça me sert à quoi d'avoir des arbres? C'est sympa, mais je suis en train de déforester aussi quand je fais ça. Et oui, voilà, ça coupe des arbres. Oh là là,
Effet optionnel. Ah non, d'accord, c'est l'effet optionnel quand la condition est remplie. Ah, d'accord, alors attendez, juste. Hop, voilà. Ok, donc en fait, je suis pas obligé de le construire là du tout. Je suis pas du tout obligé de le construire là. Hop. Genre pas du tout, du tout. Pas du tout, du tout. Je vais le construire où? Est-ce que ça va me créer de l'attrait ou pas? J'ai pas l'impression en plus. C'est le problème. On va le faire vers mon auberge, ce sera pas mal. Petit jardin luxuriant par là, là. Elle est stylée cette auberge quand même. Pas à dire. Pas à dire. Et classe. Ouais, donc on disait, on va prendre ça. Bon, ça sert à rien que je le construise sur le bâtiment, puisque de toute façon, il n'est pas. Mon auberge n'est pas améliorable. J'aimerais que j'ai d'avoir des nouvelles habitations quand même, ce serait cool. J'ai pas mal de nouveaux habitants qui sont arrivés. Au niveau de la thune, ça gère. Est-ce que je le fais vraiment ici? Ouais. Ouais, on va le faire par là. Hop, on va faire un truc sympa. Donc aujourd'hui, on va construire ce truc. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que c'est que ces clôtures? À quoi ça ressemble? Ah oui, d'accord, c'est des arbres qui clôturent le truc. Ok. Bah, est-ce qu'on ferait pas comme si le jardin était derrière l'auberge? Genre comme ça. Ouais, il y a quand même la cuisine. Ouais, ouais, c'est pas dérange, c'est peut-être pas dérangeant, on va voir. Alors, clac. Alors, attendez, on va reprendre ça, faut que j'appuie sur ma. Ah, on peut y faire comme ça. Cool. Allez, ah, ils ont bien prévu le truc. Pour une fois. Si j'y mets comme ça là. Genre. Non. Mauvaise idée. Ah, attendez, là je peux mettre une entrée par là. Voilà. Après le faire tourner. Clac. 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 Allez. Clac. Clac. Ok, oula. Je dois racheter ça, moi. Si je veux continuer. Eh oui. Allez. On est riche. On s'en fout. Oh, on n'est pas tant riche que ça. Oh, si, 600. 600, ça va, quoi. Mais il y a peut-être pas besoin de faire un truc si grand, en fait. Parce que là, genre, mon bassin au milieu. Ouais, si, on va faire un truc. Ouais, si, allez. Hop, il faut que je pense que là, je vais peut-être l'améliorer aussi, mon auberge. Mais je l'agrandirai par là, peut-être. Plus tard, on verra. Hop. Je me suis mis trop par là. J'ai fait trop long, là. Là, ça suffisait. Le bassin, on va le mettre par ici, à l'entrée là. Donc. Hop, c'est terrible ça. Ah ouais, super. C'est moche. Alors, je l'ai pas mis droit, je peux pas le déplacer moi. Oh putain. C'est que le mettre à peu près droit ou le mettre au milieu, on va le mettre en plein milieu sinon.
Clac. Hop, avec des petits piliers, genre, on va se mettre bien au-dessus. Toi, tu dégages. Je t'ai pas mis du tout au milieu, quoi. Clac. Des petits bancs, genre, clac. Et clac. Ouais, c'est pas mal ça. Des petits piliers. Hop. Hop. Hop, arrête de bouger toi. Clac. Clac. C'est pas mal. Une petite fontaine par là. Ouais, par ici là. Clac. Ensuite. On aurait pu mettre une autre entrée par là. Voilà. Oups. Pas du tout. Moi aussi, comme ça, allez, vas-y, hop. Très bien. Des petits arbres. Hein, ouais, on va fleurir un peu quand même, c'est pas mal. Clac, c'est quoi ces petits arbres? Ah oui, c'est petit. Bah, ça fait un peu devant la porte quand même. Parce que je l'ai pas mis au même niveau la porte là-bas et là-bas. C'est pas grave, on va mettre celui-là là. Voilà. Un grand arbre. Ah oui, effectivement, le grand est grand. Voilà, on va mettre un par là. Hop, un buisson de fleurs. Ça, on va les mettre par là, les buissons de fleurs. Clac. Hop, ça c'est stylé. Ok. On va séparer quand même là parce que, hein, il faut se dire que normalement les gens ne peuvent pas aller manger les saucissons de la cuisine. On est d'accord. Là, on va mettre des petites fleurs. Hop, hop, hop. Voilà. Très bien. Touc. Hop. 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 Essayer de faire ça à peu près symétrique. C'est censé être un jardin luxuriant. Donc il faut de la plante quand même. Ça, non, ça va me coûter combien ça? 975? Ouais. Allez, c'est parti. Ah, mais ça le construit automatiquement. Bah, yes. Bah, non, parce qu'il y avait des ressources. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un dans mon atelier de sculpture? Module. Oui, apparemment. Oui. Il est assigné le sculpteur, donc c'est bon. Ok, donc là j'ai normalement ma nourriture qui doit descendre pas mal. Vous avez découvert un gisement de marbre. Encore? Là-bas cette fois, non? Ouais, ici. Alors le bailli. Est-ce qu'il reste des trucs dans celui-là? Non. Ah si, là. Celui-là. Hop. J'ai terminé un puits, ou ça? Je vais construire un autre puits, ouais. Je pense que j'ai pas mal de gens sans emploi. Ah non, 3 c'est tout. Quel bonheur est à 96, donc on est plutôt bien. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder aussi.
La dernière fois, on avait commencé ici à produire des outils. Ah oui, d'accord, les outils, effectivement, maintenant c'est largement bon. Donc ici, je stockais des minerais, du charbon. Ah non, c'est là le charbon. Charbon, des minerais de fer, ouais, donc j'en ai, des lingots de fer, ok. Des outils un peu. Et donc ça me produit du fer. Ça me produit des outils. Donc a priori, je suis largement bon. Puisque le charbon. Ah, le charbon, ça diminue quand même, j'ai l'impression. On verra. On va surveiller. On va surveiller. Ok. C'est là que je voulais voir ensuite qu'est-ce qui fait que je construise. Donc ça j'en ai un, de fer blanc entier, forgeron aussi. Bah, le reste c'est bon après. Les chasseurs c'est bon. Ok. Les épées, une armurerie, on verra. Je peux peut-être me faire une armurerie, produire quelques épées. J'en ai pas besoin de beaucoup, mais j'en ai besoin de quelques-unes. Je vais en avoir besoin, surtout, à un moment. Et là, j'aimerais bien qu'il se dépêche de couper tout ce bois pour pouvoir construire des maisons par là. Parce que là, il y en a qui sont pas contents quand même. Ok, j'avais construit un autre puits. Donc au niveau de la bouffe, on est pas mal. Le fromage, du coup, ça marche bien. On a du lait. Les sangliers, c'est toujours pas ça. Hein. La farine, on n'arrive pas à la stocker aussi. Farine blé, hein, de manière générale. Ah, surtout que là, on produit pas beaucoup. Je pense que c'est parce qu'on est avec la. Là, il y a la pluie, donc du coup, on produit pas des masses. Là, ils sont satisfaits, plus ou moins. Ok, je voulais voir aussi ça, là, l'attrait résidentiel. C'est pas terrible. Là, on devrait pouvoir en construire un peu des maisons, mais du coup, ils y viennent pas. Faut attendre un peu. J'ai deux nouveaux villageois. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais encore une. Est-ce que je refais encore une ferme de blé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je sais plus où. La dernière fois, ce que je m'étais dit, ce que je voulais faire. Le poisson, là maintenant, je dois en stocker un peu, non? Ah ouais, le poisson, ça y va. Hein. Le poisson, c'est pas mal. Le poisson, c'est pas mal. Est-ce que j'avais un marchand là qui vendait du poisson? Oui. Dans celui-là, est-ce que j'en ai un? Non. Je peux peut-être vendre du poisson ici aussi. Hop. Le poisson. Mais par contre, faut peut-être que je mette quelqu'un. Je suis pas sûr d'avoir quelqu'un. Oui, ça, je n'ai pas de vendeur de poisson du coup. Enfin, je n'avais pas de vendeur de poisson. Donc là, je produis les vêtements, je produis tout. Les vêtements, on en a largement assez. D'ailleurs, je crois que j'en vends. Là. Je sais pas à qui du coup. Bah oui, il n'y en a peut-être pas qui m'en achètent en fait. Si, eux. Je les vends au-delà de 200. Hein. Je suis à 500. 600 presque même. Le bois c'est pas mal aussi. Oui parce que je m'étais construit plein de. Je m'en étais construit plein. Justement parce que je consommais pas assez mes tissus là. Et maintenant je vais en produire trop, tu vas voir. Je vais en consommer trop, je veux dire. On va arrêter un tailleur. On va peut-être le démolir d'ailleurs, j'ai 4 tailleurs, j'ai peut-être besoin de 4 tailleurs.
On verra plus tard. Ouais, les vêtements. Les vêtements, c'est un peu trop. Ok. Ok, ok. Donc, je sais plus ce que je voulais faire après, du coup. Ah oui. Commencez à produire des besoins de luxe. Un moine requiert votre audience. Des planches. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Je crois que j'ai besoin d'aider le peuple, il me semble. Allez, on va aider le peuple, il me semble que j'ai besoin. Je crois que je peux débloquer des choses, là. Un bonus commercial. Bon, allez. C'est tout, mais c'est toujours ça. Donc là, il va falloir que je commence à faire des citoyens. Le problème, c'est que les citoyens, ils ont des besoins de luxe. Et on a dit, les besoins de luxe, c'était... la bière... Donc il faut que je fasse une ferme de houblon et une brasserie. Peut-être la faire par là, la ferme de houblon. Parce que de toute façon... Ouais, on peut la faire par là, la ferme de houblon. C'est quoi les besoins de luxe? C'est des pierres précieuses, donc ça, ça va être dans les mines qu'on en trouve. La taverne, donc ça, ça va être les gens qui ont les besoins de luxe qui vont aller à la taverne. Mais à part le houblon, c'est quoi les autres besoins de luxe? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assigné un mec à un métier. Meunier. Impossible de trouver un lieu de travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais merde, j'ai cliqué au pif, moi, comme un débile. Non, toi, t'étais boulanger, je pense. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai cliqué comme un débile. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Comment je fais pour voir les besoins de luxe, déjà? Pas les voir là. Non, je peux pas voir là. Je crois qu'on peut le voir quelque part, mais je sais plus où. Je ne sais plus où. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. C'est pas ici non plus. Attends, on va regarder là ce que j'ai fait comme connerie. Un serveur. Oui, mais en même temps, j'ai pas les besoins de luxe. Donc déjà, je crois que dans le serveur, il a besoin... Non, il a pas besoin de quelque chose. Bon, bah j'assigne un serveur. Mais je crois qu'il a besoin de bière ou je sais pas quoi. Non? C'est pas ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus, la taverne, un endroit où boire et manger des repas. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Ah tiens, bonus commercial aussi, j'ai. On va prendre ça aussi. Voilà. Prochaine mission, on prendra pour le clergé, parce que je pourrais faire un monastère, et dans le monastère, je pourrais faire du vin et du miel. Voilà, du vin et du miel. Ça, c'est intéressant. Bureau des impôts. Parc constructible. Ça, je sais pas ce que c'est, mais peut-être que c'est bien. Il faudra que j'agrandisse mon église, parce que il me faut 50 de... Je sais plus comment ça s'appelle, ça... d'émerveillement ou je sais pas quoi. Bon, alors on a dit construction d'une ferme de houblon. On va quoi, peut-être pas là, ça fait dégueulasse ici. Là c'est mieux, là ici, là c'est pas mal là. Là je pense que là c'est, là on est bien là, pour une ferme de houblon. Parce qu'il va falloir planter du houblon. Donc on va planter tout autour là. Clac. Commencer la construction. Prioritaire. Please. Ok, sans pouvoir faire du houblon tout le tour là. Construction terminée, le jardin luxuriant. Bah voilà, il est beau mon jardin. C'est stylé.
stylé à côté de ma petite auberge. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à que les gens y viennent, quoi. Ça me crée pas du tout d'attrait, quoi. J'ai un puits là quand même qui crée à peine de l'attrait, mais que dalle, quoi. Bon, pour créer un peu d'attrait par là, on pourrait faire des décos. Une arche végétale. C'est moche. C'est moche. Un panneau en bois ici. Ici. Je crois que ça gêne aux constructions. Déjà là il y a une route, à mon avis, ça gêne les constructions. Enfin, j'en sais rien, je sais pas en fait. Vu que c'est pas moi qui construis les maisons et qu'elles sont construites automatiquement, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça c'est un peu con d'ailleurs. C'est un petit peu con, c'est qu'on sait pas trop comment ça marche. L'attrait, tout ça. Les emplacements des maisons surtout. C'est un peu ça qui est relou. Ok. Ouais. Il faudrait que j'arrive à booster l'attrait par là aussi. Par ici aussi. Ouais, c'est pas mal là, il y a de l'attrait ici. Hein. Donc là les vaches, pouf, le lait et le fromage, ça y va. Ça marche bien normalement, je crois. J'ai un producteur laitier partout, ouais. J'ai deux fromagers. Ouais, ça marche bien. Là, ils me produisent du fromage. Les sangliers. J'ai des villageois qui sont arrivés dans mon village. Les sangliers, ça produit rien du tout. Hein. J'ai trois cabanes de chasseurs. C'est la grosse dèche, quoi. Ah ouais, alors déjà, on va changer le truc. Là, on va remettre des zones de chasse tout là. 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 Là, 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 là. Je suis à combien en or? Plus 79. C'est pas énorme. Promotion disponible. Parce qu'on commence à prendre des citoyens. Donc c'est là qu'on voit les citoyens, ce qu'ils ont besoin. Le luxe. Donc le luxe, c'est la bière, des bijoux, du vin, du miel, donc des trucs que je peux pas encore faire. En même temps, il me faut 10 citoyens pour pouvoir le faire. 3, 4, 5, 6, 7. Pas trop. Attention, pas trop. Pas trop tout de suite. J'ai débloqué des nouveaux bâtiments. Fonderie d'or. Ah, le mauvais temps est maintenant derrière nous. Quel soulagement! Fonderie d'or. Produit des lingots d'or à l'aide de. Oh ouais, d'accord, il va me faire beaucoup de charbon quoi. Des bijoux à l'aide de gemmes. Du verre à l'aide de quartz, écarpe et charbon. Ok, et ça sert à quoi le marbre? Je ne sais pas plus. Ferme de houblon. Alors, première chose à faire, la ferme de houblon. Assigner un villageois. 3. Dessiner les champs. Hop, 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 hop. Clac. Ah oui, ah d'accord, ça crée des trucs directs. Très bien. Très bien, très bien. Ça en crée partout, je suppose que s'ils peuvent pas y récolter, ils peuvent pas y récolter quoi. On verra. On va déjà faire comme ça. On va déjà faire comme ça. Donc ensuite avec la ferme de houblon, il va me falloir. Alors dans quoi on peut y stocker le houblon? Là-dedans? Non. Effectivement, ce n'est pas des ressources. Donc on va avoir besoin. C'était plus haut d'un grenier. Ici. Ouais, un grenier par là. Y a pas des trucs qui... Si, mais est-ce qu'ils vont faire leur champ jusque là-bas? Je suis pas sûr. Si. Ouais, si, ils vont y aller.
temps, il y en a qui ont. Eux, ils ont pas beaucoup de place. Et bah, ils l'optimisent du coup. Eux, ils ont beaucoup de place et ils font rien. Ils font pas partout. Ouais, eux, ils ont fini de planter quoi. Alors qu'il reste plein de place de partout. Bon, là, je vais faire un grenier ici. Un grenier là. Paf. On commence la construction. Dans ce grenier, on va stocker du houblon et de la bière. Et du coup, on va construire de l'eau. Ah, il faut du blé aussi. Oh, une brasserie. Ma brasserie, je vais la mettre ici. Mais il me faut du blé. Donc pour me faire du blé, il va falloir que je fasse une autre ferme. J'ai pas le choix là. Ferme de blé. La ferme de blé. Bon, on va la mettre là. Oui, cette ferme de blé là, ils font rien, hein, ils en branlent pas une. Dis-moi ça. On va la faire ici. Là, il y a de la place. Allez. Ok, et donc on est à une demi-heure de vidéo. Donc moi sur ce, je vais vous abandonner et on continuera la prochaine fois. Allez, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao!